C'est vous ou eux? GG mec. GG. T'es français mon gars? Ouais. Vas-y, t'as plus de kills que moi, je te laisse le top 1. T'es à combien? Je suis à 10. Ouais bah allez vas-y debout. Non, t'es sérieux? Non, moi j'en ai 15, mais tranquille, j'ai en sort d'un. Donc en vrai... Non vas-y vas-y, on se fight au point, on se fight au point. J'ai jamais fait ça. Ouais, vas-y, si tu veux. Si tu veux. T'es full vie là? Hein? T'es full vie? Ouais, attends, je me plaque. Vas-y, attends, parce qu'il y a la zone. Vas-y, quand tu veux. Attends, mais j'ai un cut. Ah ouais, attends, je lâche mon couteau. Ouais. Ah ouais, attends, moi aussi. Vas-y, go. Attends, mais... Ah bah t'as encore un cut. J'ai pas réussi à lâcher les os, merci frérot. Hey yo les petits potes, c'est Rookie, aujourd'hui on se retrouve sur Warzone avec une petite vidéo sur le Morse, j'avais envie de rejouer le Morse. Le Morse qui donc du coup, on va présenter vite fait ses avantages et ses inconvénients. Son gros avantage, c'est que si vous mettez deux accessoires, c'est un hit scan, c'est-à-dire que la vitesse de balle est de 1500 mètres par seconde. Aucune arme dans le jeu n'arrive à cette vitesse-là. Et c'est-à-dire que c'est 300 HP dans la tête, donc c'est one shot, à n'importe quelle distance. Ses gros inconvénients, c'est forcément sa mobilité, il est lent, et je trouve qu'il a un peu plus de tressaillement aussi que le car. Voilà, soit vous mettez des accessoires pour pas qu'il y ait de tressaillement, mais il est vraiment lent, soit vous essayez quand même d'augmenter un peu la mobilité, et dans ces cas-là, bah, il peut avoir un peu de tressaillement. Donc, la classe que j'utilise, moi, c'est une classe où du coup on utilise les deux accessoires nécessaires pour le hitscan qui sont le canon à charge photonique. Donc, c'est un canon où en fait vous devez charger la balle avant de la tirer. Donc là, on voit les stats. Alors, je pense que les stats sont un peu tronquées parce que quand on va sur le site de True Gaming Data, on peut voir que c'est 1500 mètres par seconde et pas 144 mètres par seconde comme c'est marqué ici. Et c'est plutôt 300 HP dans la tête à toute distance. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse se fier à ce qui est marqué là. Et donc, quand je dis qu'il faut charger la balle, en fait, grosso modo, pour vous montrer, voilà, quand vous tirez, il y a un temps de chargement avant de tirer la balle. Après, ça peut être plus ou moins lent, hein, mais... plus ça va être loin, plus il va falloir charger longtemps la balle, grosso modo. Le deuxième accessoire super important, c'est les munitions slug antimatériel hyper véloce, qui en fait permettent de one-shot. Encore une fois, je suis pas sûr qu'il faille regarder les stats, parce que la vitesse de balle n'est clairement pas de 140 mètres par seconde, mais plutôt 10 fois plus supérieure. Et les dégâts, bon, c'est plutôt 300 HP, quelles que soient les distances, dans la tête. Ensuite, bah, soit on maximise la stabilité, soit on maximise un peu plus la mobilité. Moi, j'ai plutôt voulu maximiser la mobilité puisqu'on est en résurgence sur des petites maps. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la crosse légère Icarus pour tout ce qui est vitesse de visée, ainsi que le verrou rapide aussi pour tout ce qui est cadence de tir et également vitesse de rechambrement. Et puis enfin, la lunette, vous utilisez celle que vous voulez. Moi, j'utilise celle-ci, la SPX 80x66. Il y en a une, il me semble, mais je l'aime pas trop, mais je vous le dis quand même à titre d'information. Si je la retrouve... il me semble que c'est celle-ci, Einrichter. Elle augmente un peu la vitesse de visée. Donc à vous de voir si vous voulez la jouer. Voilà, profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.
ami a mis un contrat sur votre tête.